Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. Jusqu'où ça va aller, bordel de merde? Vous allez me dire? C'est la première fois que je vois une équipe aussi nulle s'asseoir dans ces vestiaires. Bande de fils de pute! Ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vu la façon dont vous jouez, ces vestiaires, vous ne les méritez pas! Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est mieux à la radio. In your face, all over the place. We're online 24/7. You're listening to the hottest internet station. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue la famille, bienvenue à toute la famille du basketball. Merci d'être connecté sur votre radio préférée, votre radio digitale, la radio numéro 1 sur la NBA, la radio partenaire officielle de cette grande ligue. Et bien entendu pour tous ceux qui suivent les talk shows de cette radio depuis un certain temps, vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil. Oncle Phil sur Radio Hall of Fame Basket. C'est toujours un plaisir d'être avec vous pour animer ce talk show en direct live. Il faut le rappeler, on le rappelle, The Big NBA Show. Et pour ceux qui suivent les talk shows de cette radio depuis un certain temps, vous le savez, vous en avez l'habitude, vous savez que je ne présente pas les talk shows de la radio tout seul. Je suis toujours accompagné soit de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. Et comme on en a l'habitude, on va aller du côté de la région parisienne pour accueillir
Missy depuis Paris qui est avec nous ce soir. Bienvenue Missy. Oui, bonsoir à tous. C'est comment hein? On est là. Oui, on a bien démarré avec les playoffs et... Oh, on est tous en mode playoffs. On a vu ce match gagné par les Celtics. On découvre tout, l'adversité, le scénario de cette fin de match. Ouais. Juste, ça dit bien que les playoffs ont fait. Voilà. On est tous en mode playoffs. Ouais, on est tous en mode playoffs. Et on a beaucoup de choses à dire pour ces playoffs qui ont démarré. Comme vous l'aurez compris, il y aura beaucoup de choses à dire ce soir. On n'oublie pas de préciser qu'on doit, on va voir la présence du Doc ONP qui va être sur le parquet de la radio d'ici quelques instants, le Doc depuis Angers. Mais on va enchaîner avec les présentations pour les invités qui sont avec nous ce soir. On va aller du côté du Canada pour accueillir Cédric Ludovic. Bonsoir Cédric. Bonsoir à tous. C'est wow. Comment ah, On est là. Toi aussi tu es en mode playoff. Ouais, les playoffs vont débuter, c'est très alléchant. Hein. C'est chaud, hein. C'est très très chaud. On va attaquer ça tout à l'heure et on va aller du côté de Londres pour accueillir Dimitri. Bonsoir Dimitri. Ouais, bonsoir les filles. Bonsoir oncle Phil, bonsoir la radio. Bonsoir Dimitri. Ça nous fait extrêmement plaisir que tu sois là, sinon la forme pour ces playoffs qui démarrent en trombe, on va dire ça comme ça. Hein. Ça démarre fort. Ouais, ça démarre fort. Et des surprises ou des non-surprises. Donc voilà. Les uns et les autres ont compris de quoi je parle. Donc voilà. Ce sera un plaisir de partager ça tous ensemble. Allez, on va attaquer rapidement avec les big up. On va faire la passe à Missy pour sa pensée du soir. Et j'enchaînerai avec les big up suivants. C'est dans moins d'une minute. On va attaquer avec les préalables. Restez bien connectés. À tout de suite. Off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball. On dirait Michael Jordan à la grande époque. Oh sublime. Le dunk de Xiao Lan fait monter la pression. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet. La radio qui vous parle de NBA. La radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Allez, c'est parti les amis, on attaque avec cette première partie de Big NBA Show. On commence avec les big up. Mais avant de faire la passe à Missy hein, pour sur sa pensée du soir et bien entendu les big up de la suite de cette émission, on en profite pour préciser qu'on a un petit souci technique hein, avec le site officiel www.radioof.net. On est en train de régler ça en off. On a lancé nos équipes là-dessus. Alors si vous avez un souci, on vous rappelle hein, que Radio Off est aussi diffusé sur le site de notre partenaire Spreaker. Alors si Spreaker hein, qui est l'un de nos multiples partenaires, vous pouvez suivre le talk show en direct live sur le site spreaker.com/radioof. Hein, vous pouvez le suivre, bien entendu, il y a d'autres partenaires.
partenaires sur les d'autres partenaires pardon sur lesquels vous pouvez suivre le talk show. Sinon, la manière la plus simple aussi, c'est de suivre le talk show à partir de votre application. Vous téléchargez l'application TuneIn, je l'ai souvent rappelé ici, vous le téléchargez TuneIn dans votre téléphone, et puis vous sélectionnez Radio Off dans la barre de recherche, puisque cette application vous permet d'écouter toutes les radios à travers le monde. Vous tapez Radio Off et ça vous permet d'écouter la radio en direct live. Voilà, donc pendant ce temps, pendant que vos équipes sont attelées à régler les soucis qu'on a pour le site internet, nous on va enchaîner avec le talk show de ce soir. On va prendre la place à Missy pour sa pensée et je vais enchaîner avec les big up de cette soirée. Vas-y Missy, à qui tu penses pour ce début d'émission? Ma pensée du soir, c'est pour un basketteur récemment disparu. C'est le premier, hier les Sixers lui ont rendu hommage justement. Ouais. C'est le premier maillot qui était retiré par les Sixers 76. Il était de l'aventure du titre de la saison 66-77 avec Wilt Chamberlain, c'était un meneur arrière. Ouais. Il a été classé parmi les 50 meilleurs joueurs de l'histoire. Ouais. C'était quelqu'un qui était 10 fois All-Star Game, 10 fois All-Star. Ouais. Il avait été même MVP du All-Star de 68. Donc c'était vraiment, vraiment quelqu'un d'important. Il a été introduit au Hall of Fame en 81. Les Sixers ont observé hier une minute de silence. C'est les gens qui ont amené le basket là où il est aujourd'hui. C'est des gens qui avaient les fondamentaux du jeu, bien évidemment, et tout ça. Bon, on connaissait plus les Wilt Chamberlain et autres. Mais lui, c'est quelqu'un qui a toujours été là pour épauler tous ces grands noms du basket. Parce que quand c'est quelqu'un qui tourne à près de 20 points par match, c'est pas rien du tout. Sur plusieurs saisons, c'est aussi ces gens-là qui font que ben, les matchs sont gagnés. Les titres viennent, les trophées viennent. Voilà. Reste pas second. Non, c'est bon. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci. Une grosse pensée pour Al Greer ce soir, comme l'a dit Missy, et je vais enchaîner avec la suite des big up. On va enchaîner avec un big up à LaMarcus Aldridge des Spurs de San Antonio. LaMarcus Aldridge qui, sur son dernier match, on reviendra sur ces matchs, sur cette opposition de playoff entre les Warriors et les Spurs. Mais pour ce big up, on va penser à LaMarcus Aldridge qui, pour la 7e fois de sa carrière, il était à 30 points, 10 rebonds pour un match de playoff. Derrière, on rappelle qu'il est avec cette statistique, pour la 7e fois de sa carrière, il est à un match d'égaler le record de Dwight Howard et de Kevin Garnett. Voilà, quelques chiffres comme ça pour faire plaisir aux fans. On va continuer comme ça avec quelques chiffres pour parler d'un big up pour Kevin Durant. Kevin Durant et les Warriors, hein, on va pas dire des Warriors tout feu tout flamme, mais des Warriors avec une efficacité qu'on les connaît. On reviendra sur cette équipe tout à l'heure. On va juste préciser que Kevin Durant a, pour la 49e fois de sa carrière, a atteint les 30 points en playoff, et qu'il est le 9e joueur depuis 1964 à atteindre cette performance. Kevin Durant, qui est vraiment un joueur extraordinaire qu'on ne présente plus, on reviendra sur lui. On continue avec le côté extraordinaire pour parler de ce joueur à qui je certifie que le titre de rookie de l'année n'échappera sûrement pas, sauf sauf surprise. Il s'agit de Ben Simmons, hein. Ce sera très très compliqué de lui retirer ce titre de rookie de l'année, hein, puisque Ben Simmons, il est tout simplement le premier rookie. Il est le premier rookie de l'histoire de la NBA à avoir plus de 40 points et plus de 20 passes en deux matchs de playoff. Voilà, tout simplement. Plus de 40 points, plus de 20 passes décisives en playoff. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la NBA. Même LeBron James ne l'avait jamais réalisé. Ça vous classe un homme. Cédric Dovic, allô Cédric? Est-ce que Cédric m'entend? Un petit souci avec Cédric, Cédric et Dovic. Oui, est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit ou tu veux que je répète? Ouais, je t'écoute. Tu veux que je répète alors?
Non, c'est bon, c'est bon. Justement, ce que tu parlais, ça me faisait marrer. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que, on s'est rendu à un niveau où c'est à fait des MVP ou des meilleurs rookies de l'année. Ce n'est qu'une question de statistiques. Et je me demande, rookie de l'année, c'est sur quoi? C'est sur la saison régulière ou c'est aussi sur les playoffs? Parce que là, rookie de l'année, c'est sur la saison régulière. Ils ont déjà voté, en fait. C'est sur la saison régulière, c'est déjà voté, cacheté, tout. Hein. C'est terminé. On le dit, mais ce qui est sûr, les playoffs vont attacher cela parce que avant d'aller en playoff, on savait déjà qui était le MVP de la saison régulière. Maintenant, c'est après les playoffs qu'on sait, qu'on va savoir qui est vraiment. Avant. Mais okay. ils le disent, mais qu'est-ce qui nous certifie que c'est vrai? Mais vas-y, ce sera notre débat. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir ton opinion. Après, Missy donnera son opinion par la suite. Vas-y, je veux savoir ce que tu penses. Vas-y. Non, mais tu vois, c'est l'investissement que les Sixers ont fait. Mm-hmm. C'est un investissement à long terme. C'est comme si les gars avaient joué. Je sais pas comment je vais te dire, c'est les gars ont joué. Mais ce gars est vraiment fabuleux. Ce gars est vraiment fabuleux. Tu confirmes comme nous, alors. Vois ce gars. Ouais. Il est extraordinaire. Regarde ses statistiques. Toi qui ne regardes pas le match, tu te demandes, mais comment il fait ça? C'est un gars qui ne tire pas à 3 points. Ouais. C'est un gars qui ne tire même pas. Quand tu dis seulement à 3 points, il ne tire même pas. Comment est-ce qu'il fait pour avoir des statistiques pareilles? Ouais. D'un côté, tu vois, l'autre là, comment il s'appelle encore, qui veut être rookie là, qui a ce t-shirt rookie Mitchell. Déjà. Donovan Mitchell. Il commence à se blesser, on l'attend, tu vois, le coup du sort. C'est encore long, on peut pas dire. Vas-y Cédric, vas-y. Ouais. Tout simplement pour dire que Ben Simon, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Tu es bluffé par le talent de ce jeune homme. On va écouter Dimitri après, mais c'est Dimitri. Allô Dimitri, est-ce que tu m'entends Dimitri? Allô Dimitri, depuis Londres, est-ce qu'il est avec nous? Dimitri qui n'est pas à côté de son micro. Missy, est-ce que tu m'entends? Dimitri qui est là. Est-ce que tu m'entends Dimitri? Il y a beaucoup de bruit, donc je vais d'abord passer à Missy. Je vais entrer en deux minutes. Okay. Le temps que tu sois posé, tranquille, tu nous fais signe et on fait la passe. Hein? On fait comme ça. Allez, on va faire comme ça avec Dimitri qui apparemment il doit être dans les transports hein, du côté de Londres. Il va nous rejoindre dès qu'il sera beaucoup plus posé. Missy, vas-y, réagis à ce que tu à ce que a dit Cédric. Comment est-ce que tu réagis? On était dubitatif quand il était en université. C'est LSU où il était. Il a choisi une toute petite fac parce que, bon, d'après lui, il a jamais cru que la NCAA serve à quelque chose. Championnat universitaire, lui-même, il a d'ailleurs dit que c'est quelque chose qui ne sert à rien. Quand on voit Ben Simon, on fait l'observation que c'est dès l'enfance. Il est bon, pourquoi? Parce qu'il a les bons gestes sur un terrain. Il n'y a aucune panique chez lui. Il sait comment il faut faire pour trouver les gens. Ouais. Et puis le tir à 3 points, c'est pas pour lui, c'est pas y faire, il prend pas. Par contre, pour marquer les petits tirs dans le périmètre, attaquer le cercle, il fait ça très très bien. Et puis, l'alchimie avec Embiid est très bonne. C'est l'un des jeunes duos les plus prolifiques de cette ligue. Rendez-vous compte, ces gamins-là, Embiid a quoi, 23 ans? L'autre, il a quoi, Ben Simon, 20 ans. Philadelphia se repose sur deux jeunes, dont l'un a 20 ans, l'autre 23 ans. C'est juste monstrueux de se dire, ben, à eux tous les deux là, ils impactent chaque match de Philadelphia qui vont jouer à plus de 50%. Maintenant, ce que Ben Simon, c'est surtout l'assurance qu'il a.
c'est quelqu'un d'aussi grand, il est immensément grand, hein. Un grand, bon, vous dites, il n'est pas meneur, il n'est pas ceci, cela. Ouais. Après, je pense qu'il va s'étoffer beaucoup plus, mmh. Il va s'améliorer, bon, il a des aspects de son jeu qui travaillera. Mmh. Défensivement. Il va s'améliorer encore plus. Maintenant, quant à ce qui est du titre de rookie de l'année, il y a clairement trois personnes qui se détachent. Et ça se voit même dans ce début de playoff. Il y a lui, Ben Simon, il y a Donovan Mitchell et il y a Jason Tatum. Mmh. Mais après, les deux autres, bon, ils sont starters en plein. Jason Tatum joue un peu moins, mais sinon, cette année, on a eu cette chance de voir des rookies particulièrement bons. Ouais. Tout de suite, ils sont rentrés, qui sont clair. Allés au charbon, dans le feu, en fait, dans le vif du sujet. En tout cas, ça va être très compliqué d'avoir un gagnant. Quoique je vois très très mal. Ben Simmons ne pas soulever ce trophée. Moi, pour maintenant, au regard du débat, moi, bon, je suis fan de Celtics. Tatum, je le mets un peu en troisième, mais je pense que il faut le donner aussi bien à Mitchell que à Ben Simmons. en fait, il est pas au même point. En tout cas, on sera, il y aura des surprises, ça c'est sûr. Il y a ceux qui ne seront pas surpris et ceux qui le seront. Allez, on va enchaîner avec la suite des talk shows. On va terminer avec les big-up. On va attaquer rapidement les matchs. C'est dans moins d'une minute, restez bien connectés. On attaque avec les résumés des derniers matchs de ces playoffs. À tout de suite, les amis. Off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet, www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Parquet, la radio qui parle de l'NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Hey, gros débile! Ouais, toi, la tête de veau, c'est bien à toi que je cause. Si tu peux pas faire mieux que ça, je te conseille de pas encombrer mon terrain et de rentrer chez toi, mon pote. Mais quoi tu joues, mec? Au fait, ouais, ton petit copain, c'est pas super souris. Non, Billy. Non, sans déconner, t'es trop mignonne pour jouer au basket, ma belle. Mais non, arrête. C'est marrant, mais t'as le bras en Z chaque fois que t'envoies le ballon. Putain, tu vas pas la fermer? Et tu te prends pour le Zorro des Blacks? Et on se tire ailleurs. Non, sérieux. Et ton crâne rasé, c'est un portable à bouche. C'est con qu'à l'hôpital, on soigne pas ces types-là. À l'hôpital? À l'hôpital! J'en connais un pour ta lobotomie, gros cul de poil balancier! Je te remets! Toi et ta mouche à mer blanche, retournez de ma part au pays imaginaire! Et dites à Peter Pan qu'il emmerde pas mon pote, le capitaine Crochet! Mais vous êtes des PD! Mais qu'est-ce que tu branches? Je sais ce que je fais deux choses! Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Je les fais chier! Ces types-là, si on les fait chier, ils jouent mal! Non, t'es con et tu m'embarrasses! Voilà ce que tu fais! Ouais, ça c'est la deuxième chose! Vous êtes bien sur Radio Off Parquet! La radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. C'est parti, on rattaque la deuxième étape.
lap de ce talk show, les résumés des matchs de la nuit. On va proposer le match. C'est playoff, hein, c'est playoff qui nous ambiance les nuits en NBA. Tellement de choses à raconter sur ces playoffs, sur ces premiers matchs.